La famille, bonjour à tous. Je crois que vous portez bien. Moi, je me porte à merveille. Je suis très ravie d'être parmi les vôtres ce matin. Je suis Afro Princesse, l'assistante de Buzz pour vous faire plaisir. Bon, j'ai tenu à partager avec vous cette vidéo. Ah oui, cette vidéo encore et toujours. Ouais. Je ne sais pas par où commencer parce que la vidéo, ça me scandalise. Nous, les filles, non. On sait être amoureux. On sait être amoureuse. Vous voyez alors comment les gourmands sont. Ha! Une fille, en fait, elle était follement et sauvagement amoureuse de son mec. Ah oui, ça arrive à tout le monde. Personne ne va jamais dire qu'il est tombé follement amoureux ici. Ça nous arrive. Généralement, on dit l'amour aveugle. L'amour a la raison que la raison ignore. Elle a décidé donc d'aller se faire un tatouage sur le dos, comme vous pouvez le voir là. C'était très joli, et très réussi, très sexy pour son gars. Première erreur, moi je trouve d'abord que ça c'est une pure folie. Eh bien, vrai, nous tous on aime. On aime. Comme on dit généralement, l'homme est ondoyant et divers. L'homme peut changer. Hein. L'homme peut changer. Tu peux être dans le fall love d'une personne aujourd'hui, le demain on te dit que c'est la personne que tu aimais, tu reconnais. Qu'il a déjà vu une autre femme, qu'il est en train de poursuivre autre chose, il devient complètement différent de ce que tu as connu. Mais bon, je te comprends, c'est la naïveté, maman. Parfois, c'est lui qui te dit même que bébé, est-ce que tu peux faire un tatou de mon image, question de me prouver que tu m'aimes ou bien tu écris mon nom. Elle est partie faire. Voilà maintenant ça que la relation a cuit. Regardez comment elle est en train d'enlever ça. La douleur. Vous savez que même l'histoire d'enlever le tatouage, là, ça laisse la cicatrice. Ça laisse la cicatrice. Franchement, même moi d'abord, je n'ai jamais été fan de tatouage. De deux, j'ai une peau hyper fragile. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur cette terre qui a la peau fragile comme moi. Parfois, même, je me demande si les albinos ne sont pas mieux. Je vous assure, je n'ai qu'un croc aux oreilles. Un croc. Je mets juste les boucles sur un seul croc. Et c'est le croc qu'on m'a fait quand j'étais petite. Quand je venais de naître là. Je ne pense même pas ajouter un deuxième croc parce que mon corps est délicat. Après, tu m'entends là que ça a commencé à pourrir. À plus forte raison, le tatou. On ne dit jamais, jamais, mais bon, je ne pense pas que je peux être capable de faire ce genre de choses. Et de deux, d'abord, je suis une allergique à la douleur. Je lui ai dit, tout ce qui fait mal, je ne suis pas par rapport. Même quand j'ai le bouton sur le visage, je bois les calmants pour dormir parce que ça me fait vraiment mal. Je n'aime pas tout ce qui a trait à la douleur. Ma mère me dit même souvent que tu vas faire comment pour accoucher. Je dis que non, la douleur de l'enfantement, c'est autre chose. Toutes les femmes passent par là. Même les plus faibles que moi réussissent à gérer ça. Maman Yako, c'est pas facile. Actuellement, elle est là en train d'enjoy avec une autre fille tranquille. Toi, tu es là, tu te tords de douleur, tu vas rester avec une cicatrice et tout. Il y a généralement les erreurs à ne pas connaître. Quand même c'est ton petit ami, même c'est ton mari. À part, c'est toi qui as décidé de faire ça volontairement. Même volontairement, ne fais plus haut, maman. L'amour, c'est généralement les jeux cassables. Très cassables, même. J'imagine même comment tu te sentais avec le tatouage là, sur le dos et tout. Pourtant, tu n'es plus avec la personne. C'est vrai que les relations amoureuses sont toujours bien, c'est bien de lover, c'est bien d'aimer, ça reste une expérience unique et gravée. Mais c'est mieux que quand ça finit, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu digères ton goût, ça passe. Que de dire que tu vas encore avoir quelque chose qui va rappeler la personne. Non, même s'il n'y avait même pas le moyen d'enlever ça comme ça, si c'était moi, non, j'allais prendre le couteau, j'allais gratter ça comme ça, là, sur mon dos pour que ça quitte. Qui? Avoir quelque chose qui me fait penser à mon ex. Jamais de la vie. Moi, je suis d'abord que quand une relation finit. Tout ce que mon ex m'a donné, même si c'est quoi, que ce soit objet et tout, les objets, les bijoux et tout, je partage tout. Je ne veux même pas quelque chose qui me rappelle ce genre de personne près de moi. Mais si c'est le torrent, je ne peux pas partager la maison quand même. Non, je ne peux pas partager, bon, parce que bon, au moins c'est là, tu as vraiment bénéficié. Mais les petits trucs inutiles là et tout, non, je m'en débarrasse vraiment. Vraiment, maman, je peux comprendre la douleur que tu ressens. Ce n'est pas facile. Pour moi, je dis généralement que le gourmand, c'est quelque chose d'inexplicable. C'est quelqu'un qui n'a jamais ressenti la déception qui peut généralement négliger ça. Pour une comme moi, j'ai déjà quand même eu à avoir une déception amoureuse qui m'a beaucoup brisé le cœur. Avant de me stabiliser comme je le suis, et ça reste inoubliable jusqu'à présent. Inoubliable. Le goût fait mal. Ça pique, ça chauffe. Ça fait mal partout, surtout le corps. Tu ne sais même pas. Parfois, tu as l'impression qu'on te met. C'est comme si on a encore été pincé le cœur. Ah! Les nuits blanches, c'est ça. Je me demande si ça fait souvent mal à tout le monde, comme moi, ça me fait mal au cœur. Sincèrement. Raison pour laquelle, même quand je suis en couple, non, j'évite les problèmes. Les filles qui disent généralement que quand moi je suis en couple, j'aime les problèmes de temps à autre, ça pimente l'amour. Non!
Je veux pas l'histoire de pimenter l'amour après la nuit. Tu dors mal, tu te vois le matin, tu as les seins, tu peux pas vaquer à tes occupations dans la journée parce que tu es fatigué, tu as passé ta nuit à réfléchir. Réfléchir sur autre chose, ok, mais pas moi-même provoquer et chercher le mal après. Vraiment, il y a quoi à toi, ma chérie? Tu nous apprends, ce sont les leçons. À dire aussi aux filles de ne pas faire ce genre d'erreur également aux hommes. Quand on aime, aimons avec le corps. Ce n'est pas le corps, le tatouage là qui prouve que tu aimes trop quelqu'un. Bon, la famille, c'était juste mon point de vue par rapport à cette image. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui nous soutiennent tous les jours à travers un like et un partage. Vous êtes les meilleurs, vous êtes adorables. Et un bisou spécial à la famille, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'apprécient déjà sur cette page. Je vous aime également très fort. Merci pour tous vos commentaires positifs, vous m'encouragez. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, que le Seigneur soit votre bouclier tout au long de la semaine. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime fort.